La situation actuelle est intenable. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Alors que la science, depuis des décennies, nous explique la catastrophe qui est en cours, il est maintenant, pas dans 2 ans comme le dit l'ONU, pas dans 10 ans comme le disent les plus sages, maintenant nécessaire de prendre les mesures radicales. Je crois qu'il faut quand même rappeler que pour nous autres, êtres vivants, membres de la grande tribu des vivants, la seule attitude sérieuse, c'est précisément de tenter de continuer à sauvegarder la vie. 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 La vie.